Eh bien oui, je bois de l'eau de pluie depuis plusieurs mois. Eh bien ma foi, a priori, je suis en pleine forme, autant qu'avant. Il y a toujours eu chez moi, sous la gouttière, un gros tonneau pour récupérer l'eau de pluie, et cette eau de pluie servait à arroser le jardin. Depuis quelque temps, je suis frustré, quand il pleut beaucoup, de voir l'eau du tonneau de pluie qui déborde, voir cette ressource locale gratuite, la voir partir, je la gaspille finalement, je ne l'utilise pas. Et d'un autre côté, j'achète une eau qui a été traitée, qui a été industrialisée avec du chlore, des filtrations, puis qui vient de loin, pour au final, en partie, faire caca dedans. Et l'année dernière, je me suis dit, Barnabé, sois cohérent, emmène cette eau gratuite que tu gaspilles dans ta maison pour l'utiliser. Nous avons acheté une cuve en PVC, en plastique, de 3600 litres pour 1000 euros. J'aurais aimé l'acheter en béton, mais on n'aurait pas pu la placer au bon endroit. C'était de l'autre côté de la maison, donc on s'est rabattu sur cette cuve en plastique. Mais elle avait pas mal d'avantages. Le premier, c'est qu'elle a un pré-filtre à l'intérieur. Elle a aussi une crépine avec un flotteur qui permet de prendre l'eau 10 cm sous la surface. Et l'eau, quand elle arrive au fond. Donc les particules lourdes sont censées se déposer au fond et les autres flotter pour partir par le trop-plein. L'avantage d'enterrer une cuve, c'est bien évidemment qu'en hiver, l'eau à l'intérieur ne va pas geler à aucun moment. En été, l'eau à l'intérieur ne sera pas trop chaude, donc il ne va pas se développer trop de bactéries. Et puis surtout, à l'abri de la lumière, il n'y aura pas d'algues qui vont se développer. Nous avons de la chance. C'est moi qui fais la plomberie dans cette maison. Et il y a trois zones, la cuisine, la salle de bain du bas, du rez-de-chaussée et celle de l'étage. Et nous avons décidé de passer toute la salle de bain du rez-de-chaussée à l'eau de pluie, c'est-à-dire les WC, le lave-main, un lavabo, la machine à laver le linge et la douche. Pour utiliser l'eau contenue dans la cuve dans la salle de bain, nous avons été obligés d'acheter un surpresseur. Un surpresseur, c'est une grosse pompe avec une citerne et dans cette citerne, il y a un ballon et la pompe se met en route, presse, le ballon rempli d'air bien évidemment avec l'eau autour. Et dès qu'on ouvre un robinet, et ben c'est la pression contenue dans le ballon qui relargue l'eau dans les robinets pour qu'on ait une pression à peu près constante. Du coup, le surpresseur se met en route, on va dire, tous les 5-10 litres. Et ça, c'est sympa. Et dessous, sous les pins, nous avons mis des cils en bloc pour que ça fasse un petit peu moins de bruit dans la maison. Mais ce bruit-là, moi, je l'aime bien parce que chaque fois qu'il tourne, je sais que j'utilise de l'eau de pluie. Et si un jour, j'ai une fuite dans un WC, au milieu de la nuit, si j'entends boum, que ça marche, et ben c'est qu'il y aura une fuite. Ce qui n'est pas le cas avec l'eau de ville où on n'entend rien quand on consomme. Juste après le surpresseur, j'ai rajouté deux porte-filtres. Dans le premier, c'est un filtre à tamis qui enlève les particules. Et dans l'autre, c'est un type de pelote de polyester ou je ne sais pas quoi qui va retenir surtout les boues. Voilà. Et après, c'est envoyé dans la salle de bain. Pour insérer l'eau de pluie dans le réseau existant de notre maison, j'ai d'abord, sur l'arrivée eau chaude eau froide, mis deux vannes quart de tour que j'ai pour fermer l'arrivée. Ensuite, j'ai mis deux clapets anti-retour pour qu'à aucun moment l'eau de pluie ne contamine le réseau. Et c'est ensuite que j'ai mis deux T. Et c'était insérer l'eau de pluie chaude et froide dans la maison. Alors, pour avoir de l'eau chaude, j'ai rajouté un petit ballon de 10 litres. Chaque fois que je prends une douche, je l'allume. Et puis, au moment de prendre la douche, je l'éteins. Comme ça, il marche juste un petit peu, une à deux fois par jour, suivant nos besoins. Ah, la première fois que je fais caca dans l'eau de pluie, pour moi c'était un grand plaisir. Une petite odeur de vase traînée dans les WC, oh, c'est ça l'eau de pluie d'une cuve. Voilà. Ah, le premier brossage de dents, c'était quelque chose, on avait un petit peu d'appréhension, mettre de l'eau de pluie dans sa bouche qui n'a pas été traitée. On a eu un peu d'appréhension, mais bon maintenant ça me fait ça sans souci. Mais on a écrit sur le robinet, attention, eau non potable.
Donc quand on a soif, ben, c'est pas l'eau du gobelet, on s'en sert pour rincer, mais on la boit pas. Et pour l'instant, ah, pas de souci. Le lendemain, on a lancé une machine pour laver le linge. Pas d'odeur particulière, on était super contents. Et le soir, moi j'ai pris une douche. Et j'ai été étonné que ça dure aussi longtemps, parce qu'avec seulement 10 litres d'eau très chaude et une petite pièce de monnaie que j'avais mis en sortie du robinet de 2 centimes percée, j'ai fait un tuto d'ailleurs sur le sujet. Alors ça coule pas très fort, mais c'est très très confortable. La douche a au moins duré 5 minutes. Je me suis régalé et c'était vraiment très très sympa pour moi d'utiliser mon eau de pluie pour me laver mon corps. Quand on dépense 1 500 € pour stocker de l'eau de pluie et puis l'envoyer dans la maison, moi, je me suis dit, j'aimerais bien en consommer encore un peu plus pour être plus autonome. Du coup, j'ai rajouté un tuyau pour envoyer l'eau de pluie dans la cuisine. Et là, j'ai alimenté le lave-vaisselle. Puis une fois qu'on est dans la cuisine, j'ai dit, hop, je pousse un petit tuyau pour alimenter un robinet spécial eau de pluie, comme ceci. Et je voulais que cette eau soit potable. Du coup, j'ai rajouté dessous un porte-filtre, encore un. Et à l'intérieur, j'ai mis une cartouche céramique parce que la cartouche céramique, la maille de la céramique est plus fine que la maille, que la taille d'une bactérie. Donc elle est censée arrêter 99,99% des bactéries, ce qui a priori était largement assez pour la rendre potable. Et quand j'ai goûté l'eau qui sortait de ce robinet, j'étais pas mal déçu parce qu'elle a un petit peu le goût de plastique et un petit peu le goût de vase. C'est pas très agréable d'être autonome avec ce goût-là. Et en plus, on n'était pas si autonome que ça parce qu'il faut du 220 volts, n'oubliez pas le surpresseur pour alimenter ce robinet. Du coup, on a créé cette zone qui est plus résiliente parce que l'eau de pluie arrive directement dans cet évier. Et quand j'appuie sur la pompe, eh ben, ça s'envoie l'eau directement ici pour se laver les mains ou pour faire la vaisselle. Et l'eau du levier s'en va dans une petite poubelle. Et cette poubelle ben, sert à, on va pas gaspiller de l'eau, sert à arroser les plantes du jardin. Pomper, c'est sympa, mais quand même, j'ai mis un petit panneau solaire de 50 watts sur le toit, un petit régulateur à 15 € là ici. Et du coup, il y a une batterie de voiture ici qui est chargée. Et là, j'ai mis un interrupteur, c'est un contacteur juste. Et quand j'appuie avec le genou, ça sort de l'eau. Voilà. Et c'est ici qu'on a décidé d'installer ce qu'on appelle un filtre passif. Alors, ça, c'est un Doulton, mais je crois que Berkeley fait le même. Du coup, on prend de l'eau de pluie. Hop. Voilà. Et on ouvre dessus et on met à l'intérieur. Voilà, hop. Et ben voilà, c'est cette eau que j'ai bu en début d'épisode. D'après mes enfants, elle a le goût de neige, c'est normal, il n'y a pas grand chose dedans. S'il n'y a pas le goût de plastique ni de vase, c'est qu'à l'intérieur des filtres qu'on a vus tout à l'heure, il y a du charbon actif qui absorbe quasiment toutes les petites particules justement qui pourraient de plastique ou de vase qui pourraient encore être présents et donner du goût à l'eau. Est-ce que cette eau est vraiment potable ou pas? Et ben c'est ce qu'on va voir. Nous avons tous des a priori sur l'eau de pluie, moi le premier, à commencer par l'argument principal souvent qui est donné de dire que l'eau de pluie est une eau acide. Alors effectivement, à une époque où on brûlait beaucoup de charbon minéral, il y avait beaucoup de soufre qui était dégagé dans la combustion et qui se transformait par les pluies en acide sulfurique. Et du coup, il y a eu des pluies acides qui ont décimé des forêts de conifères. Et c'est resté dans l'inconscient que les pluies seraient acides à cause du soufre. Pour en avoir le cœur net, j'ai pris de l'eau de pluie directement en sortie de cuve, j'ai mis ça dans des pots stériles. Et je l'ai emmené dans un laboratoire indépendant pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Et effectivement, mon eau est légèrement acide, 6,2. Est-ce que pour autant, ça en fait une eau non potable? Je vous laisse découvrir les chiffres que j'ai trouvés sur Wikipédia. Là, j'ai vu que le jus de citron, ben, finalement, c'était plutôt un pH de, entre 2 et 3. Le Coca-Cola, pareil. Le vinaigre, après un 3. Le jus d'orange et jus de pomme, 3,5. Le vin, 4. La bière, 4,5. Oups, le café, 5. Le thé 5,5 et les pluies, là en l'occurrence acides, mais ce qui n'est pas non le cas, 5,6. Voilà. Je regrette juste que dans la liste Wikipédia, on n'ait pas trop parlé des eaux gazeuses. Et là, j'ai trouvé sur le site thérapeutemagazine.com que le pH de l'eau gazeuse était entre 3 et 4.
Moi, je pensais plutôt entre 5 et 6. Bref, ce qui est sûr, nous faire croire que l'acidité de l'eau de pluie serait un problème pour la santé, c'est un peu nous prendre pour des... Voyez, hein, je ne vais pas le dire, mais je le pense vraiment. Deuxième fausse information qu'on trouve sur E égale M6, avec une vidéo qui date de quelques années, pas tant que ça, 2015, pourquoi l'eau de pluie n'est pas potable, avec une dame qui a l'air sympathique, mais qui n'a pas l'air au courant, qui dit qu'il n'y a pas de moyen de traitement domestique simple qui pourrait potabiliser cette eau de pluie, sur l'île, cette fameuse dame. C'est dommage qu'elle ne connaissait pas, à mon avis, les fils d'Oulton. Donc voilà, si elle écoute la vidéo, ben elle saura que c'était possible. Parce que moi, j'ai fait des analyses et j'ai vu, hop, elles sont ici. Et on voit qu'en sortie de mon, j'ai appelé ça point E, eh ben, j'ai pas de bactéries coliformes, pas d'échacuries, pas d'entérocoque acétino et pas de spore. Donc voilà, d'après tous ces trucs-là, on dit qu'on voit que mon eau est potable. Il y a juste au début des micro-organismes revivifiables à 22 et à 36 degrés. Il y en a plus que 300. Mais quand on regarde ici, la ligne ici, là, on voit, alors je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous la lire quand même. Ces bactéries permettent de connaître l'état microbiologique du réseau, une valeur inhabituelle, plus que 10 fois supérieure à la norme classique. Voilà, il n'y a pas de norme classique. Témoignent d'une eau peu renouvelée ou contaminée et elles ne sont pas dangereuses pour la santé. En sortie de mon fil Bulleton, il n'y a pas de bactéries dangereuses pour la santé. Est-ce qu'il y en a dans mon robinet? C'est ce que j'ai voulu savoir. Je sais, j'étais un petit peu vicieux. Je ne me suis pas fié aux analyses qui étaient en sortie là-haut du bec de chlore. J'ai voulu savoir ce qu'il y avait ici. Alors, comme je ne mets pas ma bouche ici pour boire de l'eau, moi, ce que je fais, je prends toujours l'eau dans une carafe. C'est toujours la même carafe. Voilà. Et je pose ça la nuit. Pourquoi je le pose toute la nuit ici? Parce qu'un jour, ça avait tellement de goût de chlore que j'ai appelé le service des eaux. J'ai dit, c'est vraiment dégoûtant, vous exagérez. On m'a dit, le chlore, monsieur, on en met beaucoup ici parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à la fin du réseau. Et vous êtes en début de réseau, c'est normal, ça en est beaucoup. Ne vous inquiétez pas, un, c'est pas mauvais pour la santé. Ah bon? Et deuxièmement, si ça vous gêne, vous remplissez une carafe d'eau et vous la laissez ventiler. Et avec la lumière, à un moment, le chlore s'en va. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris cette eau-là et après, c'est cette eau-là que j'ai fait analyser. Et alors, surprise, dans cette eau que je bois depuis maintenant 10 ans ici, eh ben, il y a plein, entre autres, des entérocoques intestinaux. Yes. Alors, si on va sur le ministère de la Solidarité et de la Santé, on descend, il y a une carte. Si on clique sur la région et qu'après, on demande, on met l'adresse, la bonne adresse, hop, on arrive sur la valeur. Et ici, on voit que le 10 juin 2019, à Voiron, eh ben, il y avait finalement un petit peu de bactéries anaérobies revivifiables et pareil, à 22 degrés et à 36 degrés. Du coup, nous faire croire que dans l'eau de ville, il n'y a jamais de bactéries, ben, c'est un peu un mensonge. Et du coup, nous faire croire que les bactéries, quand on les boit, sont dangereuses, c'est aussi un peu un mensonge. La preuve, on en boit tout le temps. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous prendre pour des... Ah là là! Alors le troisième mensonge qu'on entend régulièrement sur l'eau de pluie, c'est qu'elle se charge en oxyde d'azote, en dioxyde de soufre, issu de la combustion des énergies fossiles et de la circulation. Et elle récolte aussi les nitrates émis par les activités agricoles. Youpi! Alors là, c'est carrément le pompon, car quand je regarde les analyses de mon eau de ville et de mon eau de pluie, je vois que mon eau de ville est 10 fois plus polluée en nitrates et sulfates que mon eau de ville, ce qui a priori n'aurait jamais dû exister, en tout cas pas proche de Grenoble. Aïe, aïe, aïe. Bien évidemment, tout le monde sait que les engrais, on ne les met pas dans l'air, on les met en granulés sur le sol, et ce n'est pas des grains de sable ni un peu d'argile qui va filtrer ces particules extrêmement fines que sont les sulfates et les nitrates. Du coup, la question, c'est comment ça se fait qu'on nous dit exactement le contraire de ce que moi j'ai observé chez moi. Mon fils me répond, business is business, papa. C'est quoi business is business dans cette histoire-là? Eh bien, il me dit, les gens qui vendent de l'eau du robinet se font beaucoup d'argent, et avec cet argent, ils payent des gens pour dire juste ce qui les arrange, et ça n'a aucun rapport avec la réalité. Business is business. Et là, je me suis dit, yes, c'est cool la vie. On nous a fait croire que l'acidité de l'eau de pluie était dangereuse pour la santé. On a essayé de nous faire croire qu'il y avait plus de polluants dans l'eau de pluie que dans l'eau de ville, ce qui n'a pas été le cas chez moi. Et on nous a fait croire qu'il était difficile de filtrer les bactéries dans l'eau de pluie, ce qui n'a pas été mon cas non plus.
Un autre argument mis souvent en avant pour nous faire peur et nous dissuader de boire de l'eau de pluie, c'est de nous parler de la faible minéralisation de l'eau de pluie. Un argument relativement démoralisant pour la plupart des gens. Alors effectivement, quand je regarde l'analyse de mon eau de ville, je vois que sa conductivité est égale à 550 microsieverts par centimètre. C'est une valeur qui est censée représenter l'ensemble des minéraux qu'il y a dans mon eau, car si une eau n'a pas de minéraux, elle n'est pas conductrice. Et on voit que la valeur de référence ici est entre 200 et 1100. Et quand je regarde la valeur de la conductivité de mon eau de pluie, on est à 13. Alors, du coup, j'ai essayé de regarder ailleurs s'il y avait d'autres informations sur la valeur limite de potabilité d'une eau. Et je suis tombé sur le site Eautarcie, eau avec EAU, un site riche d'informations qui ont une grande expérience sur l'eau de pluie et qui là parle de eau biocompatible, donc une eau que l'on peut boire et être en vie et en bonne santé. Et là, pour eux, la limite inférieure de conductivité est de 10 microsieverts par centimètre. Alors, le plus surprenant encore, c'est que je suis allé voir sur le site de naturalistique.fr et la rubrique eau et conductivité de l'eau, j'ai réussi à lire ceci. L'eau idéale pour la santé, c'est plutôt maximum 160 microsieverts. Alors que si vous vous souvenez, dans l'eau de ville proposée, c'était minimum 200. Alors du coup, max 160 ou minimum 200. C'est un petit peu contradictoire. Et si on va un petit peu plus loin sur ce site, on peut lire ceci. Si la valeur de la conductivité est supérieure à 500, l'eau est dite carrément non recommandée. Bon, bah du coup, eux, ils disent que c'est dangereux de boire l'eau de mon robinet. Alors que ceux qui vendent l'eau de mon robinet me disent c'est dangereux de boire mon eau de pluie. C'est pas facile de s'y retrouver. Ouf, je peux boire mon eau de pluie sans mettre en danger ma santé, c'est sympa, mais je me trouve très proche de la limite. Je n'aurais pas eu ce problème si j'avais une cuve en béton, parce que la cuve en béton aurait reminéralisé un petit peu l'eau. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il est dangereux de boire de l'eau déminéralisée? Je vous propose le témoignage de Mathieu et Amandine, qui ont bien voulu se prêter au jeu de la caméra, car ils boivent de l'eau distillée depuis 4 ans en famille. Allez, en image. Toi, tu bois de l'eau distillée depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Ouais. Alors, distillateur, on fait D'accord. bouillir l'eau, on la fait refroidir, donc on n'a plus que de l'eau pure ici, normalement. D'accord. Donc on prend 4 litres d'eau du robinet, on les verse à l'intérieur. Donc avant chaque passage, je fous un coup de raclette. D'accord. Et là, tu vois ce qu'on extrait. Donc ça, c'est une fois par an, on sort un bocal. Ah, mais c'est dégoûtant, ça. Ouais, tu veux te minéraliser avec? Non, merci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les résidus à sec. C'est marqué sur les bouteilles d'eau minérale. Et du coup, ça consomme quoi là? C'est marqué 600 watts pendant 5 heures. 5 heures. Ça fait, il faut 3 kWh pour faire 4 litres d'eau. 4 litres d'eau. Bon, ça fait un peu 10-15 centimes le litre. Enfin, bien moins cher qu'une bouteille d'eau en tout cas. Ouais, Ouais. sans plastique. Sans plastique. Vous buvez que de l'eau distillée. Oui. Et pourquoi boire que de l'eau distillée? C'est parti d'où l'idée? On est dans une région où il y a beaucoup de vignes, donc beaucoup de pesticides, et D'accord. l'eau est captée au bord de la rivière, Oui. donc on sait qu'elle est polluée. Le Gardon. Voilà. D'accord. Donc ça nous a poussé à trouver un moyen d'enlever tous ces pesticides D'accord. autres qu'une carafe, Brita ou. On ne sait pas trop leur efficacité et puis il faut en consommer beaucoup. D'accord, puis les jeter. Voilà. Ça pollue. D'accord. On voulait être certain que d'avoir une eau où il n'y ait aucune toxicité pour les enfants, pour faire le lait végétal Ah, nous-mêmes. c'est toi qui fais ton lait, qui faisais le lait végétal? Voilà, avec du souchet. Du souchet, c'est quoi ce souchet ça? C'est l'amande de terre. C'est quoi? C'est une tubercule qui D'accord. est assez sucrée et assez grasse, D'accord. qui imite bien le lait maternel. D'accord. Et ça vient de loin? C'est surtout les Espagnols Ah, donc c'est même pas très loin. ils appellent ça el chufas. Du coup, vous buvez l'eau distillée pure, juste comme ça? Pure, non, ça n'a pas de goût, quoi, ce qui est normal. Donc on rajoute du citron, de la menthe,
Ou on aime bien le mettre du concombre aussi. On se fait des eaux aromatisées finalement. Voilà, ouais. Du coup, il y a un goût de citron. Citron et menthe. D'accord. La verveine aussi, non? Citron, ouais. Menthe, verveine ou une rondelle de concombre. Ouais, c'est de rondelle de concombre, c'est top. Sans sucre. Et vous n'avez pas peur de vous déminéraliser à force de boire de l'eau distillée? Non, les minéraux, on les trouve dans les légumes ou les algues. C'est hyper minéralisé. Parce que quand même, c'est ce qui se dit. On entend souvent que boire de l'eau de pluie, ça déminéralise le corps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Ben, moi, je pense que si tu es en manque de fer, il vaut mieux manger du persil ou manger des algues qui sont riches en fer plutôt que de sucer un clou, par exemple. D'accord. Du coup, c'est pas les minéraux qui sont importants pour le corps, ils sont pas dans l'eau, ils sont dans les légumes. C'est ça qu'on mange. Ben oui. Bon, bah, super. Alors moi, je vous ai amené mon eau de pluie qui est filtrée. Et ah oui. Pour vous la faire goûter, vous me disiez ce que vous en pensiez. Donc, tu vas goûter la nôtre. Mais elle est aromatisée, par contre. Ah oui. Bon, ben... Santé. À l'eau déminéralisée. Ça sent le citron. À l'eau sans résidus à sec. Oui. Sans pesticides. Sans chlore. Comment peut-on être aussi divergent sur la même question qu'est la minéralisation de l'eau que l'on boit? Je pense que la solution se trouve dans le jus de légumes que j'ai bu chez Mathieu et Amandine en apéritif. Ils ont pris pas mal de légumes dans leur jardin, plus de nombreuses feuilles. Je crois qu'il y avait de la betterave, du persil, des chénopodes et autres. Ils ont fait un jus de légumes cru frais qu'on a bu. Et quand j'ai bu ça, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucune importance qu'il y ait ou pas des minéraux dans leur eau, quand on voit ce qu'ils ingurgitent par ailleurs. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris pourquoi l'Agence de la Santé de l'eau recommandait fortement de boire de l'eau minéralisée. C'est parce qu'elle s'adresse à une partie de la population qui mange de plus en plus de féculents et de moins en moins de légumes. Alors il n'y a pas de quoi incriminer l'eau de pluie, il faudrait plutôt récriminer une alimentation très pauvre en minéraux. Conclusion, je vais continuer à boire mon eau de pluie et à consommer les légumes et les feuilles comestibles que m'offre mon potager. Pourquoi suis-je assis sur des toilettes sèches alors que nous sommes dans une vidéo qui parle de l'eau de pluie? Le rapport est pour moi assez simple. Quand il y a énormément d'eau qui déborde de la cuve en hiver surtout, pourquoi se priver de faire ses besoins dans l'eau de pluie? Mais en été, quand il y aura moins d'eau dans la cuve, je souhaite pouvoir condamner le WC à eau de pluie de la maison et tout le monde pourra venir ici utiliser ses toilettes sèches. Le peu d'eau qui restera dans la cuve servira juste à la boisson et à une toilette, on va dire, minimaliste. Ce que j'aimerais, c'est savoir est-ce que notre famille de 4 pourrait se contenter de ce que la nature nous offre de manière aléatoire. Beaucoup en hiver, peu en été. Est-ce qu'on serait capable juste de s'en contenter ou il faudra absolument aller creuser plus profond et plus loin pour aller chercher de l'eau et à subvenir à nos besoins pharaonesques? Ben c'est ce qu'on verra à la fin de cet été. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va inciter certains d'entre vous à moins gaspiller cette ressource naturelle et gratuite qu'est l'eau de pluie. J'espère aussi que cette vidéo va pousser certains d'entre vous à communiquer, à partager leur expérience sur la toile de leur utilisation de l'eau de pluie. Comme ça, quand on cherchera sur le net boire de l'eau de pluie, il n'y aura pas que des avis qui sont plutôt défavorables. Merci énormément aux tipeurs qui ont financé cet épisode, qui a coûté un petit peu plus que les autres, entre autres par l'analyse des eaux. Donc là, la liste des 20 analyses, c'est à peu près 150 euros. Il y en avait deux, une pour l'eau de pluie et une pour l'eau de la ville. Après, j'ai fait plusieurs analyses juste bactériaux, avec les 4 bactéries les plus dangereuses, entre guillemets. Et ça coûte 50 euros. Du coup, j'avais déjà fait à une époque, dans une vidéo sur la poterie, est-ce qu'on peut filtrer de l'eau de pluie avec de la céramique? Eh bien, peut-être je serais tenté d'en refaire une, mais spécialement pour filtrer de l'eau. Un peu de charbon,
une poitrine avec 8 et voir avec l'analyse bactério si on arrive à filtrer les bactéries. Et ben je vous dis à bientôt pour des nouvelles histoires. Allez, bye.